l'album Surprise de ma vie. Surprise de ma vie, un album aux thématiques variées. Les racontars, le pardon, le respect et l'amour. De considération pour ma pauvre et maman Afrique, Afrique. Surprise de ma vie, c'est de la variété, le warba, le zoulou, le zouk, de la musique tradi moderne. Sako le Prince, la révélation de l'année 2012. Les ondes, vous connaissez le son, découvrez l'album chez tous les revendeurs ou appelez au 78 88 86 80. C'était un réel plaisir pour toute l'équipe d'être une fois de plus en votre compagnie pour passer 28 minutes. 28 minutes pour vous proposer des nouveautés au Burkina Faso, pour vous proposer ce que nos artistes ont dans le ventre, pour vous proposer ce que nos artistes savent faire de mieux au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous suivez du côté de Kourougou, du côté de Ouagadougou et du côté de Bobo Dioulasso. Un vrai plaisir pour toute l'équipe. Au menu de ce rendez-vous sera un duel qui va opposer le faiseur de musique hip-hop au faiseur de musique tradimoderne. Et puis l'arbitre bien sûr de ce n'est autre que la charmante et sulfureuse Mistal qui viendra avec sa voix cristalline nous parler de ce qui fait l'actu chez nos pupilles. On vous souhaite la bienvenue, on va vous démarrer tout de suite avec d'un côté, bien sûr, les faiseurs de musique hip-hop et puis de l'autre, les faiseurs de musique tradimoderne. On va se tourner vers nos amis du côté des faiseurs de musique hip-hop pour nous présenter les challengers qui vous avez décidé de nous proposer les gars. Tout nouveau, d'accord. Alors, ils me font signe qu'ils ont décidé de nous proposer la formation Duniam. Vous le savez, Duniam vient de mettre leur deuxième album sur le marché des disques burkinabé. Ça marche fort actuellement pour eux. Et c'est eux qui sont à l'honneur. C'est eux qui démarrent ce rendez-vous. Bienvenue à tous et à toutes. Tu n'es pas condamné à l'échec, ma sœur. Au plus profond de toi, tu es la foi et le courage, tout ira, tu verras. Tu n'es pas condamné. Tu peux bien te relever. De toi et la gloire te sourira. C'est bien vrai, c'est pas facile, mon frère. De ta projet, rien ne marche. Mais l'avenir te tend la main. Accroche-toi, car demain n'est pas loin. Tu n'es pas condamné à l'échec, mon frère. Tu n'es pas condamné à l'échec, ma sœur. Au plus profond de toi, tu es la foi et le courage, tout ira, tu verras. Qu'il arrive qu'on broie du noir, qu'on ait l'impression que jamais la vie nous sourit. Mais la foi qu'on a peut nous guider vers le sentier de l'espérance. Réveille-toi, car nul ne se battra à ta place.
car nous en avons tous ici pas. Ton combat toi toujours continue tant que ta vie se prolongera. Yes. Ok, la belle est pour mon frère. Ta main tu sais. La formation Dounia Malesta avec le titre qui est baptisé Au fond de toi. Je rappelle que le deuxième album, il est baptisé Dounia. Après les faiseurs de musique hip-hop, nous allons retourner vers à présent vers l'état-major des faiseurs de musique tradimoderne. Alors les gars, vous avez la parole. Quel artiste, je veux dire, que vous nous proposez? D'accord. Alors, attachez vos ceintures parce qu'ils ont décidé de nous proposer un artiste actuellement qui est un porte-flambeau des faiseurs de musique tradie moderne au Burkina Faso. C'est vrai qu'on l'a connu sur une autre rythmique, mais dans son album, on retrouve une autre rythmique que les gens aiment bien en matière de musique tradie moderne. Album qui a été arrangé par Kevin Sona, qui nous faisons un coucou d'ailleurs juste au passage. Il s'agit de l'artiste du moment, Sako le Prince, avec le titre Wata Biogo. C'est le choix des faiseurs de musique tradie moderne. C'est parti. Wata Biogo à l'instant, l'album il est baptisé Surprise de ma vie, album qui est disponible chez les bons revendeurs. Et vous le savez, si nous nous sommes tournés du côté des faiseurs de musique tradie moderne, on place à présent à la musique hip-hop. Et cette fois-ci, l'état-major a la parole. Non, je vois pas bien. D'accord, ok. Alors, l'état-major des faiseurs de musique hip-hop a décidé de nous proposer un groupe qui vient de peut-être de signaler leur présence sur le marché des disques. Ils chantent pour la femme. Et d'ailleurs, le titre de la chanson est baptisé au nom de la femme. Il s'agit de la formation Malba. Ils sont deux jeunes garçons et leur chanson, c'est pour valoriser le travail de la femme. Famille, je viens de l'Est, je viens de l'Ouest, c'est la famille. Il vient du nord, elle vient du sud, c'est la même famille.
sincérité, fraternité. C'est la famille, tous enfants d'Adam et Ève. On veut plein temps parler de mariage forcé. Tout ce qu'on veut, c'est la femme émancipée. Tout ce qu'on veut, homme-femme égalité. On veut plein temps parler de femmes excisées. On veut plein temps parler de mariage forcé. Tout ce qu'on veut, c'est la femme émancipée. Tout ce qu'on veut, homme-femme égalité. Je vais d'abord vous conter l'histoire de cette fille Alice, qui depuis son enfance a été excisée. À peine 11 ans, elle a été violée. À l'âge de 13 ans, mariée, forcée. Et finalement, elle fut repudiée. En 2 années, Alice a connu 3 maris. Et toujours sous le même régime de violence. Mais comment voulez-vous qu'elle se lance dans cette vie où elle est devenue veuve de 5 enfants? 5 enfants? Oui, 5 enfants. On veut plein temps parler de femmes excisées. On veut plein temps parler de mariage forcé. Tout ce qu'on veut, c'est la femme émancipée. Tout ce qu'on veut, homme-femme égalité. On veut plein temps parler de femmes excisées. On veut plein temps parler de mariage forcé. Tout ce qu'on veut, c'est la femme émancipée. Tout ce qu'on veut, homme-femme égalité. Et à toi la femme, cherche tes larmes. L'année 2008, c'est l'année de ta liberté. Une année où tu seras plus marginalisé. Le mariage forcé fera partie des lignes du passé. On parlera plus de la femme excisée, mais on parlera de la femme émancipée. Oui, de la femme émancipée. On veut plein temps parler de femmes excisées. On veut plein temps parler de mariage forcé. Tout ce qu'on veut, c'est la femme émancipée. Tout ce qu'on veut, homme-femme égalité. On veut plein temps parler de femmes excisées. On veut plein temps parler de mariage forcé. Tout ce qu'on veut, c'est la femme émancipée. Tout ce qu'on veut, homme-femme égalité. Oh, femme, sèche tes larmes. Avec toi au combat, on prend les armes. On ne veut plus entendre parler d'excision, plus de mariage forcé. Toi qui verses des larmes pour donner la vie, je ferai tout pour sauver ta vie. Hey, yeah. Adiapela, apotiama, indago jurda, indago jurba, dago jurman, indago jurba. C'était à l'instant la formation Malba avec le titre Au nom de la femme. En temps normal, les faiseurs de musique hip-hop, de musique tradimoudaine, pardon, ont la parole. Mais souffrez qu'on marque une petite pause pour retrouver Mistal pour qu'elle nous dise ce qui se passe chez nos amis les people. C'est Showbiz. Amis de Showbiz, salut à toutes et à tous et surtout bienvenue dans cet espace réservé aux people. Dans cette rubrique, nous vous avons parlé des déboires de l'artiste Neil Djamila et que la presse ivoirienne est allée jusqu'à dire qu'elle a voulu se suicider. Remise de tout cela, l'artiste a donné des explications via Showbiz. Pour les femmes, je crois qu'il est mieux de leur dire la vérité. C'est vrai que j'ai traversé une période assez difficile par des problèmes sentimentaux que j'avais. C'est vrai que je déprimais et que je n'avais plus très envie de bosser, mais je n'ai jamais pensé au suicide, nous a-t-elle confié. Avant d'ajouter que dans la même période, elle et sa mère ont failli se faire percuter par une voiture. Par ailleurs, après cette période agitée, l'artiste revient avec de nouvelles productions que nous vous proposons ici en exclusivité. Et puis cela fait 2 ans que Jatta Ilibou s'en est allé après un accident de la circulation. En effet, ce 17 octobre 2010, sur la route de Zinyaré, Jatta, sans le savoir, avait rendez-vous avec ce destin tragique qui l'arracherait à jamais de nos yeux. 2 ans après, les mélomanes s'expriment. 2 ans après la disparition de Jatta, nous nous sommes rendus compte que voilà, elle a laissé un vide dans ce milieu, dans ce monde musical. Ce qui nous fait mal d'ailleurs, c'est que 2 ans après, nous nous apercevons que
voilà, les gens ont un peu tendance à l'oublier. Heureusement qu'elle a laissé des disques, des œuvres musicaux que nous écoutons voilà, à travers les différentes chaînes et de télé et de radio. Donc quelque part, ça a tenu un peu notre choc, sinon que ce fut une grande perte pour la musique burkinabé et nous ne pouvons que lui souhaiter en tout cas un repos éternel. Donc il faut commencer déjà par un vibrant hommage à l'artiste Gyata qui n'est plus souvent. Car cela ne tienne, on sait que c'est une artiste qui a laissé des grands œuvres en les parties. Parler de Gyata 2 ans après sa mort, selon sa disparition, paraît déjà assez chose. Mais je dirais que l'artiste demeure toujours par ses œuvres et également dans le cœur de ses femmes. On a pu constater que déjà la première année de son anniversaire de son décès, il y a eu une mobilisation assez forte pour rappeler cette grande artiste. Mais cette année, pratiquement, c'est passé inaperçu. Il n'y a pas eu d'événement marquant ce deuxième anniversaire de la disparition de Gyata. Est-ce à dire qu'on est en train d'oublier l'artiste? Non, je ne crois pas. Gyata, c'est une artiste qu'on ne peut pas oublier. Récemment, voilà, on continue à donner un hommage. Voilà. Et j'espère que le monde artistique va se souvenir vraiment longtemps de cet artiste-là. Parce que c'est une artiste qui a porté haut le flambeau de notre pays. Qu'on s'en souvienne tout le temps, ça ferait bien pour le monde artistique. Et puis dans la même lancée, cela fait 6 ans que le créateur du coupé décalé s'éteignait ici à Ouagadougou, à la clinique Souka. Arrivé à Ouaga un mois avant pour des soins, Doug Saga, le créateur du coupé décalé, est malheureusement décédé le jeudi 12 octobre 2006 aux environs de 16h45 à la clinique Souka d'une maladie dite mystérieuse. En effet, même 6 ans après son décès, personne n'a encore réussi à dire de quoi est véritablement mort le patron du coupé décalé. Néanmoins, force est de constater que 6 ans après, son concept a envahi le monde entier. Triste nouvelle pour Viviane Chidindour. La chanteuse vient de perdre sa mère, Marie Fall. Elle est décédée à l'hôpital de Dantec, selon notre source qui indique qu'elle souffrait d'un malaise. La maman de la reine du Jollof Band avait des problèmes de cœur. La chanteuse Laurie annonce qu'elle quitte son compagnon Philippe Bas. La chanteuse a annoncé sur Twitter et Facebook sa séparation d'avec Philippe Bas, avec qui elle était depuis 2 ans. La jeune femme déclare « Alors oui, c'est vrai, nous nous séparons. C'est la vie, mais sachez que tout va bien pour nous. Partager autant d'amour depuis plus de 2 ans ne nous a laissé que de bonnes choses à commencer par un chouette téléfilm souvenir d'une grande histoire. Nos routes se séparent et pourtant nous nous encourageons mutuellement avec une vraie réciprocité » dans toutes nos aventures professionnelles actuelles et futures. Pour terminer, sachez que le magazine américain Forbes vient de publier le classement des acteurs de séries américaines les mieux payés durant la période mai 2011-mai 2012. À la première place, on retrouve le héros de Mon Oncle Charlie, Ashton Kutcher, qui a empoché 24 millions de dollars. L'acteur prend la place à Charlie Sheen, qui était premier l'année dernière et qui, après avoir été écarté de la série, ne figure plus dans le classement. Uglory de Dr. House et Ray Romano de Men of a Certain Age se hisse à la deuxième et troisième place avec 18 millions de dollars chacun. Alec Baldwin et Marc Armand se placent ainsi à la quatrième place avec 15 millions de dollars. On retrouve Tim Allen à la sixième place avec 14 millions de dollars. John Cryer se place à la septième place avec 13 millions de dollars. Patrick Dempsey se retrouve à la 8e place avec 12 millions de dollars. Pour la 9e place, nous avons Jim Parsons, Johnny Galecki et Jason Segel qui ont tous les 3 8 millions de dollars. Voilà, c'est tout pour Showbiz de ce jour. J'ai été très heureuse de vous le présenter. On se dit rendez-vous à très bientôt.
Merci à vous, Mistal, pour toutes ces infos. Et comme vous le dites, on souhaite vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de Showbiz. Et puis, je rappelle que vous retrouverez également cette rubrique sur le site du Burkina 24 à tout moment et à toute heure pour voir, bien sûr, et revoir cette actu et puis les actus également précédentes. Allez, on retrouve à présent l'état-major des faiseurs de musique tradie moderne. Alors, les gars, qui vous nous proposez? Waouh! Ah bon? D'accord, ok. Ils ont décidé, l'état-major a décidé de frapper fort, de mettre la barre très haute avec en ce moment une artiste qui, en pays Bissa, fait la pluie et le beau temps. Même à Ouagadougou, on aime Bobo Dioulasso. Koudougou n'est pas en reste. C'est Awa Boussim, voici Maudit Doré. Zenwe bwana bwana so ayo zeni gana gana ayo mokala kala bena mwalera ayo mokala kala para mwalera ayo mokala kala bena mwalera ayo mokala kala na bwere mwalera ayo mokala kala para mwalera ayo ya kamunde bitinda mwalera ayo abara na bwere mwalera ayo kamunde bitinda mwalera ayo mokala kala para mwalera ayo awagabi bukura mwabura dalara Zakara kora ba mo bro galera Esma yira la la ba mo bro galera Ewe kenne paru mo kumbe banwa Mo jale danwa Hara mo dewa Puya nga mo dewa Ila la puya mo dewa Ebi tinda mo dewa Abara bi tinda mo dewa Na pure bi dal mo dewa Kan la kara para mo dewa Ayo Kan la kara para mo dewa Ayo Na pure da so mo jale ko dam alam Ya ya o mo nyu sakku Ya ya da so ya mana mo fanyi Autant vous l'ai dit, la barre est très haute avec le passage de Awa Boussim avec le titre Maudit Doré. Allez, les faiseurs de musique qui portent la parole. Alors les gars, qui vous nous proposez? Non, ben c'est pas vrai, vous plaisantez ou quoi? C'est pas vrai? D'accord, ok. Si c'est vous qui le dites, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures parce que cette fois-ci, ils ont décidé de frapper fort parce que c'est leur dernier passage. Ils ont décidé de frapper fort en nous proposant une constellation des stars. Yélène. Humaniste, l'ICMA, ça donne retour au pays. C'est ta face aussi que ça se passe. Allez, viens, je t'emmène de Dakar à Johannesburg, de la Guinée Conakry à Addis Abeba. Du pays nous envahit, loin là-bas en France on pense au retour au pays. Retrouver Ouaga, les singes, la famille, les amis. Viens, je t'amène au Burkina là-bas, oh, c'est mon pays. Viens, je t'amène au Burkina là-bas, oh, c'est mon pays.
quand la saveur du pays nous envahit. Loin là-bas en France, on pense au retour au pays. Retrouver Wada, les sacs, la famille, les amis. Viens, je t'amène au Burkina là-bas, ouais, c'est mon pays. Reviens quand tu veux. Bienvenue au pays. Fais quand tu veux. Pour honorer à nos deux. Fais quand tu veux. Bienvenue au Faso. Là-bas c'est le paradis, allez viens je t'emmène là-bas. Prépare tes valises et tes devises dans CFA. 26 heures de vol et me voilà Ouagadougou. Un petit détour chez ton dentiste. Allez j'ai pas menti, je suis passé à Tati. Pour les actes et les cousines de Ouagadougou. Fais mon arrivée, je n'ai plus qu'une idée en tête. Voir les frères et les affaires tout en continuant la fête. Calé dans un maquis sur le coin de la circulaire. Me voilà où chez moi Ouagadougou. J'aime ton odeur, ta chaleur, ton accueil sur ma feuille ou dans mon cœur. Je reste fier, ouais, d'être ce rappeur pour les frères et toutes les sœurs. À Ouagadougou, Ouagadougou. Reviens quand tu veux. Bienvenue au pays. Fais quand tu veux. Pour honorer à nos deux. Fais quand tu veux. Bienvenue au Faso. Quand tu veux. Assalamu alaikum, le découp et des armes. Loin des médias occidentaux qui ne vendent que nos larmes. Bienvenue dans le tralala estival. Festival d'ambiance, c'est bon pour le moral. Taf, taf, sap, sap pour les bicyclettes. Trois bonnes bières avec tout le casque et bière. Un quart de tour, nos mobilettes nous jettent dans les maquis. Tout le monde est là, l'ambiance est vite, n'en manque un fri. On oublie nos soucis, on oublie les politiques. On écoute, on décale, on pédale sur la musique. Ici, y'a pas d'été, y'a pas de cité. On est pauvre, mais tout le monde mange à satiété. Dans mon village, on n'est pas développé. C'est des sladis, mais seuls les fous ne sont pas éduqués. Et si tu crois trouver Tarzan dans ma ville, c'est que tu es forcément le premier. Gorille. Néwango, reviens quand tu veux. Bienvenue au pays. Fais quand tu veux. Pour honorer à nos deux. Fais quand tu veux. Bienvenue au Faso. Et fais quand tu veux. Bienvenue chez moi. Nous sommes monumental. Même s'il n'y a rien dans le mur, on a tout dans le moral. Bienvenue chez moi, loin du poison occidental. Dans l'ambiance de nos rivières, sans le goût de ma terre natale. Le soleil a perdu ses plombs, ici on apprécie ses rayons. Que tous les sceptiques changent de... Ni wongo, wagwada wayano go, ni wongo, bienvenue au Faso. C'est vrai que c'est un refrain que j'aime bien, amis téléspectateurs. Ça a été un réel plaisir pour toute l'équipe. Hein. Dieudonné Odaogo se joint à moi, il a shooté les images et moi-même. On vous souhaite de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Faso Zik, si Dieu le veut. Mais d'ici là, gardez les oreilles bien ouvertes sur la télé 100% passion. Et puis je rappelle que vous pouvez à tout moment faire un tour sur le profil Facebook de l'émission. N'hésitez pas à dire que vous aimez cette émission en cliquant sur la page, sur le logo J'aime. Puisque bientôt, il y aura une rubrique qui vous permettra de gagner des albums des artistes via le profil Facebook de l'émission. Alors, à bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao.